Je m'appelle Juliane et je serai votre guide aujourd'hui. Je suis moi-même une élève à cette école spécialisée en marketing et finance. Donc, bienvenue à Rutgers Business School, Newark à 1 Washington Park. Nous nous trouvons actuellement dans l'entrée principale au premier étage. À cet étage, nous avons un bistrot, le bureau de gestion de carrière pour les masters ainsi que leur bureau d'admission. Derrière moi et à ma droite, nous avons aussi deux salles de classe. La salle de classe à ma droite est la salle des échanges commerciaux que nous allons voir de plus près. Allons-y! Nous nous trouvons donc maintenant dans la salle des échanges commerciaux. Cette salle, qui est équipée d'un Bloomberg Terminal et peut accommoder jusqu'à 60 élèves, permet aux élèves de simuler des échanges commerciaux dans le marché et, si nécessaire un jour, d'échanger en temps réel. Nous allons maintenant nous diriger vers le bureau de gestion de carrière des Masters. Nous nous trouvons donc maintenant au bureau de gestion de carrière pour les élèves des Masters. Ce bureau est placé 7e aux États-Unis pour le placement des élèves en MBA. Et le saviez-vous que le programme de Flex MBA est placé 9e en Mid-Atlantique? N'est-ce pas super? Attention, avant d'être employé, il faut des bonnes notes. Et pour les bonnes notes, il faut étudier. Donc allons voir où c'est que les élèves peuvent étudier dans cet immeuble. Bonjour, nous sommes maintenant à l'endroit où les élèves peuvent étudier à longueur de journée. D'ici, les élèves peuvent regarder la communauté de Newark ainsi que le Washington Park. Maintenant, nous allons aller vers l'auditorium de Bob. Nous nous trouvons donc maintenant au Bob Auditorium. Cet auditorium est la plus grande salle qui se trouve à Rutgers Business School à Newark. Elle peut accommoder jusqu'à 120 personnes et est principalement utilisée pour les classes. Elle est aussi utilisée pour des événements qui ont lieu tout au long de l'année organisés par l'école. Nous allons maintenant nous diriger vers l'espace qui est dédié aux élèves poursuivant un master's degree. Nous avons derrière moi le lounge pour les élèves de master's. Cependant, ce lounge reste aussi ouvert à tous les étudiants. Nous voyons au long de la journée les élèves venir ici pour étudier, se retrouver avec leur groupe et travailler sur leur projet ou tout simplement se détendre. Finalement, c'est le parfait endroit pour les élèves se retrouver et connecter entre eux. Donc, nous allons aller maintenant vers le Rooftop Garden. Nous voici maintenant au Rooftop Garden de la Rutgers Business School à Newark. Ce jardin a été offert par PSEG, une des plus grandes compagnies d'énergie de New Jersey. Ce jardin est le parfait endroit pour les élèves pour pouvoir se relaxer ainsi que de regarder la belle ville de Newark. Maintenant, allons voir commencer une des classes de notre bâtiment. Donc nous voici dans une classe typique de la Rutgers Business School à Newark. Ici, chaque classe est équipée d'un ordinateur avec un podium, un projecteur, un tableau et une caméra qui autorise les professeurs d'enregistrer leurs cours. Bien sûr, les élèves ici atteignent leur classe, mais peuvent aussi venir avec leur groupe pour préparer leurs projets et leurs devoirs. Maintenant, nous allons aller vers le centre de technologie pour les étudiants. Nous voici maintenant au centre de technologie pour les étudiants. Ce centre met à disposition pour les élèves plein d'équipements électroniques à longueur de journée de 8h du mat à 10h du soir. Ils peuvent utiliser les ordinateurs ainsi que les imprimantes pour faire leurs devoirs ou imprimer leurs devoirs. On met aussi à disposition un Bloomberg Terminal pour les élèves de finance. Nous allons maintenant nous diriger vers la salle des exécutifs. Nous voici donc maintenant à la salle des exécutifs. Ici, le conseil d'administration, les directeurs ainsi que les anciens élèves se retrouvent tout au long de l'année pour discuter et débattre comment améliorer notre école. C'est grâce à eux que nous avons autant de programmes excitants et une grande réputation rattachée à notre nom. Ceci maintenant conclut notre visite et j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que ça a été très informatif. J'espère vous voir à Rutgers bientôt. Au revoir!